Fabrice, je suis bien content que vous soyez venu nous voir. Ça fait tout le temps, on va faire 5 ans que tu es venu. Dis donc, tu as trouvé ça pour aller. Hein. On a fait des frais. On a un peu de sous. Allez, madame. Je sais pas ce que ça va devenir. Arrête ta musique, Philistin. Chaque plume que j'arrache à un poulet, c'est comme si j'arrachais une touffe de poils. Plein de ces mécréants de la Convention de Paris qui nous font tant de misère. Bah, si ça marchait, je crois que je pourrais plumer toutes les poules de France et de Navarre. Ben moi, quand je plume un poulet, je pense à mon Jeannot qui est quelque part caché dans la forêt avec les nôtres. Ah, que Dieu les protège et nous avec. Et le Jeannot, quand on le voit, on l'a vu rôder comme un chat l'autre soir. À la grâce. Tiens, ma petite fille. Je me mets dans le couvre là. Je viens plus pour raconter toute la vie. Louison. Dame, on sait bien où il va passer certaines nuits quand nos bons chrétiens sont couchés. N'est-ce pas, la Thibault? Tiens, ma petite fille, prends cette pièce, c'est pour ta 10e année. Tu sais que le bon Dieu te voit à chaque moment. Et il a vu que tu as été bien sage et que tu es une brave petite. Voilà. Eh bien, tu as perdu ta langue. Bah, dis donc merci à monsieur le curé. Merci, monsieur le curé. Fallait pas, monsieur le curé. Un sou, c'est beaucoup pour cette endure. Et puis la ptiote. Elle en a moins besoin que vous. Bon, c'est bien peu de choses, Marie-Jeannette. Et puis moi, tu sais, qui sait, je ne serai peut-être plus là demain. Et par ces temps troublés que nous vivons, mon avenir est bien incertain. Ah, faut pas dire des choses comme ça, monsieur le curé. Oh. D'abord, on a tous besoin de vous. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Allez, buvez un petit canon, ça va vous requinquer. Doucement, doucement, doucement. Tu vois, mon enfant, avec ton sou, tu pourras acheter des laines de toutes les couleurs au marché Saint-André. Et puis regarde, tu pourras broder une jolie bannière pour nos hommes. Marie a raison, on en a bien besoin. Donne, donne donc. Mais donne donc, petite nigaude, c'est ton sou. On va le mettre en lieu sûr, sinon tu vas le perdre. Puis ce serait pas bien malin du tout. Donne donc, que je te dis. La Thibaut, prends-lui donc le sou que monsieur le curé donnait à la tiote. Elle veut rien entendre avec moi. T'inquiète pas, la tiote, c'est ton sou. Je vais pas l'user ni te le voler. Donne. Là où je le mets, tiens, regarde. Il sera en sécurité. Peloton, halte. Qu'est-ce qu'il y a encore, mon vieux Blanchard? Une fouine? Un renard? Des brigands? Avec l'embuscade d'hier, est-ce qu'on l'aura fait après la sablière? On n'est pas prêt de croiser un blanc. Dis-lui à la ronde, mon pauvre Blanchard. Sûr, notre capitaine. Mais Puteborne, ils nous ont fait 4 morts. Ouais. Dont Jacques le Hardy, un gars de mon pays. Et ça, ça mérite vengeance. Ouais. Ça sent la truie, la volaille, notre capitaine, et je me trompe jamais.
Puteborne, ça sent même la chienne en chaleur. Bon, Blanchard. Sauf votre respect, notre capitaine. Il a raison, le vieux Blanchard. Capitaine, la ferme là-bas à gauche. Silence total. Voyons. Oh, la belle affaire. Je vois un vieux corbeau réfractaire posé sur un banc. Baïonnette au canon, déploiement. Baïonnette au canon. Baïonnette au canon. La vengeance, Blanchard. Elle est là. Portez. Arme. Portez. Arme. En avant. Là. Marche. J'espère qu'on va pas refaire le coup de feu. On n'est pas bien nombreux. Et puis on doit retourner au bivouac. Qu'est-ce qu'il nous mijote, le capitaine? Et moi, ma carotte qui pèse le poids d'un âne mort. Et mon blessé qui pue. Je lui dirai bien un mot, capitaine. Tais-toi donc, chatron. Tu veux qu'on finisse au bagne? Avance donc. Du corbeau. Regarde-moi bien dans les yeux, oiseau de mauvaise augure. Maintenant, ton prophète, c'est moi. Le général Hamet, vous connaissez le général de brigade Hamet? Général de brigade Hamet. Ben justement, tiens, il y a un oubliot, là, viens voir ici, toi. Tu connais le général de brigade Hamet, hein? Hein? Tu sais pas ça, hein? Les sales brigands comme vous connaissent rien. Vous n'êtes tous qu'une maudite assassin. Vous pillez et vous tuez nos familles. Pourtant, vous venez tous de la terre comme nous. Vos massacres dans tous les villages que vous traversez ne vous couvrent pas de gloire. Et bientôt, il faudra payer tout ça. C'est rien, présentation d'usage. C'est pas grave. Bah justement, tiens. Blanchard, la giberne, la bricole, au plaisir. Celle-là, celle-là, et bien évidemment, celle-là. Allez, princesse, je vais lui montrer le paradis, les copains. Cochon, dommage qu'on n'ait pas le temps d'allumer le four à pain. Bon allez, on rassemble tous les bougres, on les fusille. Le beau fout mal feu à tout ça. Allons, dépêchons. Allez, les armes. Oh, ouais.
On joue! Bande d'assassins! Feu! Portez! Arme! En ligne. Mais la religieuse, elle voulait me piquer avec un couteau. Elle m'a taillé la chienne. Oh putain, borgne. J'ai rien pu faire avec elle, j'ai crevé tout de suite. Le tour en avant. Avant et marche. Avant volonté, marche. Cousin, donne-moi ta fiole de goutte, ça va me ravigoter. J'ai de la filasse dans les jambes. Et après ce qui s'est passé, là. Ouais, ça va te coûter le sou que je t'ai vu ramasser sur la Niaise dans la grange. Oh, mais c'est un sou qui vaut plus, ça. Celui-là, il sent encore l'odeur de l'amour. Ouais, donne ça, il va me porter bonheur. Regardez, là-bas, les bleus, là-bas, les bleus qui arrivent à l'oreille du bois. C'est eux qui rôdent dans le pré depuis hier. Ils ont massacré tout le monde à la grabetière. Tuez-les tous. Que Dieu nous garde, qu'il nous protège. Ils ont tué mon fils. Ils tueront le vôtre demain. C'était notre maison. On a tout perdu. Moi, c'est ma chère femme et ma cousine qu'ils ont assassinée. Qu'ils crèvent, ces maudits. C'est bien. Il n'y a rien de mieux. C'est mieux qu'une grande carte d'état-major, mais dans un état... Capitaine, les brigands, les brigands. Déploiement, sortez-moi ces salopards des ruines. Avancez. À moi. Halte. En feu de peloton! Sois à volonté! Ha ha!
sens plus mes jambes. Maudit brigand. Maudit sou. Je croyais que t'étais un porte-bonheur. Alors ce week-end, comment ça s'est passé? T'as trouvé des trésors avec ta poêle à frire, là? Bah, pas grand-chose. Mais j'ai quand même trouvé une pièce en bronze de la Révolution en Vendée. Ah ouais? Tu vois? Un sou. Oh la vache! Elle est tombée, elle a roulé. Mais elle est où? Mais t'es con, quoi? Ouais, mais une pièce comme ça n'a aucune valeur, de toute façon. Et puis surtout, ça n'a aucune histoire.